this country. Bien le bonjour et bienvenue à la troisième partie de la série sur Barack Hussein Obama. La deuxième partie nous montrait l'évidence qu'il était homosexuel et musulman. Nous allons maintenant voir 16 similarités entre lui et Adolf Hitler. La première similarité est qu'Hitler et Obama ne sont pas nés dans le pays où ils sont devenus chefs de nation. Hitler est né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche. Il est devenu citoyen allemand en février 1932, juste avant de devenir chancelier le 30 janvier 1933. Barack Hussein Obama est né le 4 août 1961 au Kenya. Il est arrivé aux États-Unis au début des années 70 parce qu'en 1971, il était étudiant à Hawaï. La deuxième similarité est qu'Hitler et Obama ont utilisé le pouvoir politique pour cacher leur certificat de naissance de la vue du public. La troisième similarité est que leur nom a changé plus tard dans leur vie. Adolf Hitler s'appelait Adolf Schilke Gruber. Barack Hussein Obama s'appelait Barry Sotoro. La quatrième similarité est qu'Hitler et Obama ont préconisé pour créer une armée de jeunes dévoués à leurs idéaux. Hitler avait un groupe qui s'appelait la Jeunesse d'Hitler. Observons maintenant la jeune brigade d'Obama. Because of Obama, I'm inspired to be the next doctor. Because of Obama, I'm inspired to be the next lawyer. Because of Obama, I'm inspired to be the next automotive technician. Because of Obama, I'm inspired to be the next chef. Because of Obama, I'm inspired to be the next architect. Because of Obama, I'm inspired to be the next engineer. Because of Obama, I'm inspired to be the next fireman. Because of Obama, I'm inspired to be the next architect. Because of Obama, I'm inspired to be the next chemical engineer. Because of Obama, I'm inspired to be the next entrepreneur. La cinquième similarité entre Obama et Hitler est qu'ils ont fait leur marque auprès des Allemands. Le 24 juillet 2008, un peu plus de trois mois avant de remporter l'élection présidentielle du 4 novembre, Barack Hussein Obama donnait un discours à Berlin devant 200 000 Allemands. La sixième similarité est qu'Hitler et Obama ont organisé des rassemblements dans des stades extérieurs pour exciter et enflammer la passion des gens. La septième similarité est leur habileté de parler en public. La majorité des historiens considèrent Hitler étant le plus grand orateur du 20e siècle. La huitième similarité est leur interaction avec la foule. La foule saluait Adolf Hitler en disant « Heil Hitler », qui veut dire « Salut à Hitler » ou, en substance, « Vive Hitler ».
Obama avait sa façon d'interagir avec la foule avec le slogan « Yes, we can », qui en français veut dire « Oui, nous le pouvons ». À son discours d'acceptation le 4 novembre 2008 à Chicago, Obama a répété à cette occasion son populaire slogan. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America. Yes, we can. 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 Cette phrase jouée de reculons depuis un enregistreur dit « Thank you, Satan » en français est « Merci, Satan ». Ceci est un fait scientifique. D'autres diraient par contre que ce n'est qu'une coïncidence. Voici les 7 fois que vous avez entendu jouer le slogan, mais cette fois joué de reculons. Thank you, Satan. 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 Dans le même ordre d'idées, le phénomène a été remarqué avec la phrase « Let me express », qui en français signifie « Permettez-moi de m'exprimer ». Let me express. Joué de reculons, on entend « Sir Satan », qui en français veut dire « Servez Satan ». Lors de son discours à Denver en 2008. La 9e similarité est que les partisans d'Hitler et Obama les ont suivis aveuglément sans se poser de questions avec un charisme hors du commun. La 10e similarité est que chacun a plusieurs livres à leur actif. Ils ont aussi 2 livres qui ont les mêmes buts. Hitler a écrit « Mein Kampf », « Mon combat » en français, qui l'a aidé à propulser sa carrière politique. Pour sa part, Obama l'a fait avec « Rêve de mon père ». Hitler, avec son livre « Mon nouvel ordre », a exposé ses intentions. Obama, tant qu'à lui, l'a fait avec l'audace de l'espoir. Vous allez pouvoir remarquer, sur le titre du livre « Mein Kampf », le nombre 666 à 2 endroits. Une valeur numérique est attribuée à chaque lettre de l'alphabet hébreu. La lettre « Vav » équivaut au nombre 6. On peut ainsi voir la ressemblance avec le nombre 666. Coïncidence? Adolf Hitler était sans aucun doute un antéchrist, mais pas le dernier. 1 Jean 2,18, « Petits-enfants, c'est le dernier temps. » Et comme vous avez entendu dire que l'antéchrist viendra, déjà, maintenant, il y a beaucoup d'antéchrist. Par cela, nous savons que c'est le dernier temps. La 11e similarité est leur haine pour les Juifs. Selon Hitler lui-même, il est devenu antisémite dans les années 1907-1908.
Pendant cette période, sa mère décéda et il ne fut pas accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Les deux cas impliquaient des Juifs. Edouard Bloch était le docteur juif de Clara, la mère d'Hitler. Et l'Académie des Beaux-Arts y comptait beaucoup de directeurs et professeurs juifs. Il ne serait pas juste de comparer le niveau de haine d'Hitler avec celui d'Obama. Néanmoins, il est évident qu'Obama n'a aucun amour pour l'État juif ou ses citoyens. Il a grandi dans une école islamique indonésienne. Il a été influencé par Frank Marshall Davis, socialiste qui supportait Staline en tant qu'éditeur en chef du journal de Chicago. Et son pasteur d'une durée de 20 ans était anti-américain et antisémite. Normal qu'il puisse avoir été influencé dans ses pensées envers les Juifs. La deuxième similarité est que les deux se sont servis d'une réplique du Grand Hôtel de Pergame. Le Grand Hôtel de Pergame, ou Hôtel de Zeus à Pergame, de 197 à 159 avant Jésus-Christ, a été découvert en 1871. Apocalypse 2, 12 et 13, et à l'ange de l'Église à Pergame écrit « Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dit ces choses. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là même où le siège de Satan, où Satan demeure. » Il a été transporté et reconstitué à l'un des musées d'État de Berlin en 1886. Cette structure a été utilisée comme modèle pour les grands discours d'Hitler et de sénateur Obama le 28 août 2008, où il accepta la nomination démocratique pour être président devant 80 000 personnes. La 13e similarité et que les jeunes fans d'Hitler chantaient des chansons en son hommage et en témoignage de leur foi envers lui. Les enfants allemands n'étaient pas enseignés à être patriotiques envers leur pays, ils étaient plutôt enseignés d'être patriotiques envers leur chef. L'histoire se répète avec les États-Unis d'Obama. La 14e similarité est qu'Obama et Hitler se sont servis de deux filles et deux garçons pour signer un ordre exécutif et ainsi entraver le deuxième amendement à ce qui a trait au droit d'armes à feu. Barack Obama a dit que la restriction des armes à feu serait un de ses principaux objectifs pour la dernière année au pouvoir. La 15e similarité est que les deux sont arrivés au pouvoir pendant un temps difficile dans chacun de leurs pays. L'Allemagne subissait les après-coups de la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression de 1929, tandis que les États-Unis étaient impliqués dans les guerres en Irak et en Afghanistan. L'ouragan Katrina et la crise financière de 2008 ont aussi eu un impact majeur. La 16e et dernière similarité est que les deux ont instauré un système de santé maléfique. Action T4 a été mise en œuvre à la demande expresse d'Adolf Hitler. Elle était une campagne d'assassinat par le régime nazi à travers un système national de contrôle de la santé en vue d'éliminer les handicapés mentaux ou physiques. Si l'Allemagne devait avoir 1 million d'enfants par an et se défaire des 700 ou 800 000 les plus faibles d'entre eux, il en résulterait peut-être au final
un accroissement général de notre force. Annoncé dans Mein Kampf, la volonté d'Hitler de stériliser les patients atteints d'une maladie héréditaire se traduit le 14 juillet 1933 par la loi sur la stérilisation forcée. À partir de 1933, une intense campagne de propagande utilisant films, livres, brochures et affiches est lancée sur le coût que représentent les malades mentaux. Voici une photographie de propagande de 1934 avec la légende « Ce malade mental coûte annuellement 2000 marks à l'État ». Entre 1935 et 1937, l'Office politique et racial national socialiste produit 5 films muets comportant des scènes propres à horrifier le public allemand et à le convaincre de la nécessité d'éliminer le résidu de la société pour le bien de la population tout entière. Réalisé en 1936, Erkrank, qui en français veut dire « maladie héréditaire », est tellement apprécié par Hitler qu'il en commande une suite avec une bande de son. Voici un extrait d'Opfer der Vergangenheit, qui en français est « victime du passé » qu'Hitler a choisi pour sa propagande d'Action T4, diffusée en 1937 dans tous les cinémas allemands. La vidéo qui suit dure environ une minute. Das Schwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Erbgesunde Menschen wohnten in engen, lichtlosen Gassen und halb verfallenen Lauben. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste. Und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Das deutsche Volk kennt das ganze Ausmaß dieses Elends wohl kaum. Es kennt nicht den drückenden Geist jener Häuser, in denen tausende lallende Schwachsinnige künstlich ernährt und gepflegt werden müssen, die tiefer stehen als jedes Tier. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend über ein wertvolles Volk kommen, das dann mit Riesenschritten seinem Ende entgegenginge. En tant que gauchiste et socialiste, Hitler et son système de soins de santé lui ont donné le pouvoir de mettre sa politique en pratique, de créer une société selon sa pensée maléfique, avant que la Deuxième Guerre mondiale se déclenche. Voici l'autorisation d'Hitler datée du 1er septembre 1939 et celle d'Obama le 23 mars 2010. Obamacare est le programme révisé Action T4 d'Adolf Hitler. Le 23 mars 1933, Adolf Hitler signait une loi de mise en œuvre qui lui permettait d'adopter des lois sans l'approbation du Parlement. Exactement 77 ans plus tard, le 23 mars 2010, Obama signait le sien avec Obamacare. L'administration Obama a dépensé 840 millions pour son site web, incluant plus de 150 millions pour la version qui avait terriblement échoué à son départ en 2013. Obamacare s'appelle la loi sur les soins abordables et le président a promis que les taux seraient comparables à ceux d'un compte de téléphone et amèneraient une baisse atteignant jusqu'à 2 500 $ par famille. Écoutons-le. That's why these groups are voluntarily coming together over the next 10 years, from 2010 to 2019. They are pledging to cut the rate of growth of national healthcare spending by 1.5 percentage points each year
an amount that's equal to over $2 trillion. Their efforts will help us take the next and most important step, comprehensive health care reform, so that we can do what I pledged to do as a candidate and save a typical family an average of $2,500 on their health care costs in the coming year. La réalité est que le 23 décembre 2015, les primes avaient non pas baissé, mais augmenté en moyenne de 4 865 depuis 2008. Mais avant même de pouvoir avoir accès au plan, un déductible allant jusqu'à 5 000 devait être payé. But we have to pass the bill so that you can find out what is in it away from the fog of the controversy. La majorité des Américains sont ignorants face au projet de loi HR 3962, qui est la loi sur les soins abordables, mise en place le 29 octobre 2009, entre autres à cause de ses 1990 pages et que son langage n'est pas clair. Les gens du Congrès ont dû l'approuver sans avoir eu le temps de le lire. Ils sont maintenant à poser des questions sur la plupart des points. Selon la loi, tous les Américains doivent avoir une assurance santé. Sauf que de nombreux Américains, contrairement aux promesses d'Obama, qu'ils pouvaient garder leur plan ou leur docteur, ont vu leur couverture d'assurance privée résiliée. We will keep this promise to the American people. If you like your doctor, you will be able to keep your doctor, period. If you like your doctor, you keep your doctor. If you like your current insurance, you keep that insurance. If you've got health insurance, you like your doctor, you like your plan, you can keep your doctor, you can keep your plan. Nobody is talking about taking that away from you. If you like your doctor, you can keep your doctor. If you like your health care plan, you can keep your health care plan. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné est que les soins d'Obama viennent avec le dispositif classe 2 et classe 3 que l'on retrouve à la page 1502. Ce dispositif est l'implantation d'une puce d'identification par radiofréquence. Elle va permettre d'avoir accès à votre situation financière, médicale, de connaître votre statut d'immigration, juridique, mais surtout changer la génétique, comme lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait créé l'homme et la femme pour vivre éternellement dans le jardin, mais en désobéissant à son commandement, la mort s'en est suivie. All right, this next story may sound like something out of, well, a Hollywood thriller. A Saudi inventor has created a killer microchip. It's designed to track terrorists and criminals and, well, you can think of somebody. Not only does it include a GPS device, it also has a lethal dose of cyanide, which can be activated at any time. You get my point? La marque de la bête va être l'adhésion au système que Satan va imposer pendant les tribulations. Parce que nous vivons dans les dernières secondes avant le cri de minuit, qui est l'enlèvement de l'épouse de Christ, suivi de l'Apocalypse, cette puce d'identification ressemble étrangement à Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle a fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Un tatouage était utilisé dans le temps d'Hitler avec son plan diabolique. Est-ce que nous allons voir une puce être utilisée dans le temps d'Obama avec Obamacare? The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. Right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do. What everything. You sell. Everything is in there. You know? And so they want a one world government
controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control the people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intentions. Le 25 novembre 2013, Mark Halperin était le principal analyste politique pour le magazine Time. Il a affirmé que le plan Obamacare contenait des dispositions pour des comités de mort qui décident quels patients, en état critique, vont littéralement recevoir des soins et quels ne les recevront pas. All right, well, I mean, I think a lot of people said that, you know, you weren't going to be able to keep your health care, but also, you know, I think they focused on the death panels, which will be coming. Call them what you will. Rationing is part of it. I agree. Huge. It's going to be a huge issue, and that's something else about which the president was not fully forthcoming and straightforward. All right, so you believe that there will be rationing, a.k.a. death panels? It's built into the plan. It's not like a guess or like a judgment. That's going to be part of how costs are controlled. Yeah. Okay. Well, but I'll say something else about that issue, which is we do need to do some of that in this country because we can't afford to spend so much on end of life care. A very high percentage of our healthcare spending is for a very small number of people at the last stages of their life. I'm not saying the system shouldn't allow that, but there's too much cost there. Judgments have to be made. We have to decide. Made by who, Mark? Mark, made by who? La section 5210. De la loi des soins abordables s'appelle « Établissement d'un corps d'entraînement des officiers de la réserve ». En résumé, le président Obama a le pouvoir de créer sa propre armée qui doit répondre de ses ordres sans avoir à consulter qui que ce soit. Ceci pendant que l'armée principale du pays subit des coupures. Comme Hitler, le président pourrait se servir de l'armée dans un temps où la guerre n'est pas en cours. Those who can afford to buy insurance. But don't, can afford to do it, but don't, pay a fine. And if they refuse to pay a fine, there's a threat, as there is with lots of tax fines, there's a threat of jail time. And the Senate removed that provision in the Senate Finance Committee. Do you think it's appropriate to have a threat of jail time for those who refuse to buy insurance? You know, what I think is appropriate is that in the same way that everybody has to get auto insurance, and if you don't, you're subject to some penalty, that in this situation, if you have the ability to buy insurance, it's affordable, and you choose not to do so, forcing you and me and everybody else to subsidize you. You know, there's a $1,000 hidden tax that families all across America are burdened by because of the fact that people don't have health insurance. You know, there's nothing wrong with a penalty. Now, what those penalties are, I think they have to be high enough that people don't game the system. On the other hand, I think it's important for us not to be so punitive that people who are having a hard time suddenly find themselves worse off because of health care reform. And that's why we built in some hardship exemptions. There may be situations, relatively rare, where even after the subsidies that are provided, it's still very hard for people to afford to get the health insurance that they need. And we should anticipate and build in those hardship exemptions. But I think the general broad principle is simply that people who are paying for their health insurance aren't subsidizing folks who simply choose not to until they get sick and then suddenly they expect free health insurance. That's a basic concept of responsibility that I think most Americans abide by. But as the Senate puts its final bill together and as the House and Senate prepare to vote on a after the conference committee, yeah. They should know, does the president think jail time is an appropriate Well, I'm punishment? Not. I'm not sure that's the biggest question no, that but they're it's asking a question. Right now. It's a so question. I think I put out the principle that penalties are appropriate for people who try to free ride the system and force others to pay for their health insurance. Okay. FEMA est l'abréviation pour l'Agence fédérale des situations d'urgence. Elle a le pouvoir de supporter et d'aider lorsqu'un désastre frappe. Le décret présidentiel 11-921 permet à l'Agence fédérale des situations d'urgence de prendre le contrôle sur les sources de l'énergie, les salaires, le mécanisme de production et de distribution, le crédit et le flux de l'argent dans les institutions financières. Ted Gunderson, un agent du FBI à la retraite, maintenant décédé, a déclaré que le gouvernement fédéral
avait installé plus de 1000 camps FEMA à travers le pays. Il a aussi déclaré que le gouvernement avait fait l'achat de 30 000 guillotines et 5 millions de cercueils jetables pour les emmagasiner dans plusieurs bases militaires. Apocalypse 24, et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou en leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis s'est approprié 1,6 milliard de cartouches du calibre 0.40 et 9 mm. 7005.56 par 54 mm. Au point culminant de la guerre en Irak, l'armée utilisait en moyenne 6 millions de cartouches par mois. 1,6 milliard de cartouches serait bon pour au moins 20 ans de guerre intense en Irak. Manquant à sa parole et ses obligations envers sa dette, les États-Unis seraient le premier gouvernement majeur de l'Ouest de faire un défaut de paiement depuis l'Allemagne nazie. L'Allemagne a unilatéralement cessé les paiements sur l'emprunt à long terme le 6 mai 1933, trois mois après qu'Hitler est devenu chancelier. Le défaut a aidé à cimenter le pouvoir d'Hitler. Aujourd'hui, Barack Hussein Obama est au point de départ qu'Hitler avait à son début dévastateur. Et parce que la majorité refuse de voir les panneaux d'avertissement, il va continuer de perfectionner son régime nationaliste socialiste. Une fois qu'il va être en place, il va être trop tard. Le dommage sera fait. Ecclésiaste 1:9. La chose qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est fait, est ce qui sera fait, et il n'y a pas de nouvelle chose sous le soleil. Nous sommes en train d'assister à la montée d'un régime. Barack Hussein Obama est un dictateur fasciste, comme Hitler l'a été, sauf qu'il est plus audacieux et plus dévastateur. We cannot continue to rely only on our military in order to achieve the national security objectives that we've set. We've got to have a civilian national security force that's just as powerful, just as strong, just as well-funded.